Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Yann Sinoviecki, je suis doctorant en histoire à l'EHESS, je suis en train de finir une thèse de doctorat qui est consacrée au jardin parisien au XVIIIe siècle. Alors je travaille plus particulièrement sur le jardin du roi, qui est l'actuel jardin des plantes, que vous pouvez toujours visiter, qui est proche de la gare d'Austerlitz à Paris, qui a laissé un héritage considérable, et j'enseigne par ailleurs à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Je tenais à remercier aussi très chaleureusement l'Institut européen des jardins et paysages qui me fait le plaisir et l'honneur de m'inviter ici au château de Bénouville pour la troisième fois. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière historique. On va revenir au XVIIe siècle, date à laquelle est fondé le Jardin royal des plantes médicinales. Il est fondé par Guy de Labrosse en 1633. Il porte le nom donc de Jardin royal des plantes médicinales. Initialement, dans la mode des jardins botaniques en Europe, le jardin royal des plantes médicinales avait une vocation purement thérapeutique et médicale. Mais progressivement, on va voir que le jardin du roi va progressivement s'émanciper de cette fonction purement médicale et thérapeutique, au point de devenir un centre d'acclimatation majeur de toutes les espèces exotiques qui arrivent depuis les espaces coloniaux. Alors, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, ce sont les voyages de Joseph Piton de Tournefort, un grand botaniste, qui rapporte quantité de plantes de l'Espagne, du Levant, de la Méditerranée. Et puis progressivement, au fur et à mesure que les expéditions botaniques et coloniales vont faire converger vers le jardin du roi un ensemble de plantes qui viennent des espaces asiatiques, des espaces insulaires avec l'île de France, l'actuelle île Maurice, les espaces également américains avec la Guyane, avec la Nouvelle-France, donc le Canada, eh bien le jardin du roi va devenir un centre majeur de l'acclimatation et de la naturalisation des espèces étrangères. Et quand on regarde un plan du jardin du roi au XVIIe siècle, donc là c'est un plan de 1676, le jardin du roi était encore un espace relativement restreint, dans la mesure où, avant ces expéditions coloniales, avant ces expéditions botaniques, il n'y avait pas besoin d'une superficie aussi conséquente. Si bien que quand on regarde, là encore, un autre plan, cette fois de 1714, c'est un plan du quartier de la place Maubert, eh bien vous apercevez que le jardin du roi est entouré donc, de l'abbaye de Saint-Victor, dont je vais dire un mot d'ici quelques minutes, mais aussi, vous voyez, sur la partie septentrionale, donc la partie nord du jardin, vous voyez qu'il y a des chantiers de bois. Hein, c'est tout à fait normal dans la mesure où il faut voir, vous imaginez que la Seine, l'espace sécanais, est un espace d'approvisionnement en marchandises et notamment en bois, de façon très considérable au XVIIIe siècle. Et donc, il faut voir que le jardin du roi, vous voyez, est entouré alors, de bâtiments divers, de piles de bois, vous voyez ici du bois flotté. Et donc, l'abbaye de Saint-Victor, vous voyez, c'est un espace qui est relativement restreint, le jardin du roi. Et donc, toute la question au XVIIIe siècle, pour faire face à l'importation croissante des plantes qui viennent des espaces coloniaux, eh bien, on va se lancer progressivement dans des travaux d'agrandissement du jardin. Et c'est en particulier le cas dans les années 1770, où vous avez un personnage dont vous devez connaître le nom, c'est le comte de Buffon, natif de Montbard, en Bourgogne, qui a des forges, et qui est donc l'intendant du jardin du roi depuis 1739. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que le jardin est beaucoup trop petit pour accueillir toutes les plantes qui viennent des espaces coloniaux. Et donc, on se lance dans une politique d'acquisition foncière, en particulier sur les espaces septentrionaux et méridionaux. Et donc, il va falloir acquérir ces terrains qui appartiennent à des propriétaires très différents. Par exemple, l'abbaye de Saint-Victor, hein, qui est située ici. Donc, les chanoines vont devoir céder un certain nombre de terrains qui vont être rachetés par la couronne, d'abord par le comte de Buffon. Il se fait ensuite rembourser de cet achat. Et progressivement, donc, le jardin du roi va étendre son emprise spatiale à Paris. Et donc ça, c'est à la fin des années 1770. On peut d'ailleurs dater les premiers chantiers. C'est en 1777, et jusqu'à la veille de la Révolution française, le jardin du roi va étendre considérablement sa superficie, de la même façon qu'il va être question, en 1788, de construire une autre serre, parce qu'on a déjà quatre serres qui sont aménagées au sud de la butte du jardin du roi, à l'abri des vents du nord, parce qu'on estime que les vents du nord sont préjudiciables pour la survie des plantes. Et donc, on s'aperçoit que les serres sont insuffisantes pour acclimater les espèces exogènes et exotiques, si bien que le comte de Buffon, juste avant de mourir, en 1788, se lance dans une politique de construction d'une nouvelle serre qui sera parachevée, après de nombreux déboires financiers, en 1792, pendant la Révolution française. Alors, pour vous montrer justement cette multiplicité d'usages du Jardin du Roi, pour vous montrer qu'on passe d'un usage thérapeutique, médical, à un usage multiple,
du jardin, un espace d'acclimatation. Voici une citation que j'ai trouvée dans les archives nationales. C'est un règlement qui date de 1788. Voilà ce qui est écrit. Le jardin du roi a dirigé ses cultures vers un plus grand nombre d'objets. Aux plantes officinales, il a successivement les plantes économiques, celles qui servent dans les arts, les arbres propres à l'aménagement des forêts, les plantes agréables qui peuvent servir à l'ornement des jardins. Donc vous voyez comment joindre l'utile à l'agréable. Quand on parle des arbres qui sont propres à l'aménagement des forêts, il faut vous imaginer que tout au long du XVIIIe siècle, il y a une préoccupation qui est omniprésente, pour ne pas dire une angoisse, c'est celle de la déforestation. Une angoisse qui est partagée très largement d'ailleurs par le comte de Buffon. Le comte de Buffon écrit en 1738 pour les mémoires de l'Académie des sciences un mémoire pour la conservation et le rétablissement des forêts. Il faut s'imaginer qu'au XVIIIe siècle, en France, le couvert forestier du royaume s'est substantiellement réduit. Pourquoi ? Parce qu'on se chauffe énormément avec le bois et que la population augmentant, en particulier dans la ville de Paris, il faut se chauffer et donc on déforeste massivement. Il faudra attendre Napoléon III d'ailleurs et les plantations de pins dans les Landes en particulier pour que l'on ait une politique de reforestation massive. Mais au XVIIIe siècle, les naturalistes sont très préoccupés par la question de la déforestation. Et Buffon s'inquiète justement des conséquences néfastes de la déforestation, si bien que les jardins botaniques doivent être aussi des espaces où l'on peut naturaliser des arbres étrangers que l'on pourrait importer dans le royaume pour reforester. Je pense par exemple à l'arbre de Louisiane, au cyprès de Louisiane, etc. Donc voici pour ces usages multiples du jardin du roi et pour cette politique d'extension. On le voit très bien sur ce plan, là aussi trouvé dans les archives nationales, où vous voyez que des terrains ont été cédés par M. de Buffon aux chanoines de Saint-Victor et qu'en échange, des terrains ont été cédés par les chanoines, précisément au comte de Buffon, pour pouvoir agrandir le jardin. Donc vous voyez, on est dans une politique d'expansion spatiale du jardin de façon tout à fait considérable. Alors, expansion spatiale, mais ça correspond à l'accroissement des plantes et des graines qui sont plantées. Là, j'ai fait un petit schéma qui montre très bien, dans les années 1730, à quel point le nombre de graines semées sur couche a augmenté. Vous voyez, en 1730, on est à 1000 graines semées sur couche, et en 1738, 8 ans après, on est à quasiment 3500 graines. Donc vous voyez, le nombre de graines semées au jardin a été multiplié par 3,5. Alors, on pourrait se dire que le jardin du roi est un espace où l'on plante énormément, où l'on reçoit énormément de graines de la part des correspondants, puisqu'il y a des réseaux botaniques qui sont mis en place avec des savants et des botanistes européens qui envoient leurs dons et leurs paquets de graines au jardin du roi, au comte de Buffon. Mais en échange, le jardin du roi est peut-être le principal centre en Europe de redistribution des graines. Et on le voit très bien aussi sur ce graphique que j'ai établi. Donc là, vous avez les dons qui sont faits au jardin du roi. C'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'elle suit la courbe rouge qui est celle des dons faits aux correspondants du jardin. Mais vous voyez que globalement, le jardin du roi réexporte davantage qu'il n'importe. L'objectif du jardin du roi, c'est d'être le centre de la redistribution des paquets de graines, le centre de la redistribution des végétaux dans l'ensemble du royaume. Et ça, on le voit d'ailleurs très très bien, parce que quel est l'objectif de la naturalisation au final, à travers les serres et à travers ces agrandissements du jardin ? C'est naturaliser, c'est acclimater pour se passer d'importation. Naturaliser pour ne plus importer. Et on est vraiment aussi dans cette mouvance de la science économique physiocrate, je vais revenir sur la physiocratie dans un instant, qui considère que les richesses du royaume doivent affluer à l'intérieur et que pour ce faire, il convient, pour ne plus être dépendant, par exemple, des végétaux hollandais ou anglais, de naturaliser massivement. Et là, on le voit très bien aussi dans ce projet de règlement qui date de 1790, au début de la Révolution française. Voilà ce qui est écrit. Il y a d'ailleurs des plantations considérables, de grands arbres exotiques, mais naturels à des climats analogues à ceux de nos provinces, destinés à porter des graines, au moyen desquels on pourra fertiliser les vastes terrains encore incultes du royaume, où les arbres indigènes ne peuvent croître, et qui dispenseraient bientôt de payer des tribus annuelles et considérables aux nations du Nord, donc la Hollande notamment, et à d'autres peuples, pour l'achat des bois de charpente et de construction navale. On y distribue tous les ans, aux divers départements du royaume, non seulement des renseignements utiles, mais encore des graines et des plantes, quelquefois jusqu'au nombre de 12 000 espèces. Plusieurs académies, sociétés littéraires ou facultés de médecine établies dans les différentes provinces du royaume, ainsi qu'un grand nombre de particuliers qui y habitent, ont formé des jardins de botanique avec les produits de la culture du jardin des plantes. C'est toujours ce même établissement qui leur fournit les graines et les végétaux dont ils ont besoin chaque année pour l'entretien de leur collection. Et il le peut d'autant plus aisément qu'on y trouve presque tous les végétaux que le climat de nos contrées
permet de laisser venir en plein air. Donc le jardin du roi est pensé comme le centre de la redistribution vers les jardins botaniques particuliers et dans les départements, y compris encore au début de la Révolution française. Évidemment, les révolutionnaires auront une politique assez différente, puisque sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, il est surtout question de concentrer les graines et les végétaux pour ensuite les redistribuer vers les collections privées, les jardins privés des aristocrates, alors que les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Au jardin des plantes, ils vont au contraire confisquer les collections naturalistes et confisquer les végétaux pour les acclimater au jardin des plantes à partir notamment de 1792-93. Mais vous voyez que ici, la naturalisation, l'acclimatation est pensée précisément comme une façon de se passer d'importation, de façon très explicite. Alors, avant d'aller plus loin sur les serres du jardin du roi, je voulais vous dire quelques mots de quelques livres et quelques lectures pour prolonger la réflexion qui m'ont été utiles pour préparer cette conférence. Tout d'abord, il y a un livre que vous pouvez consulter, c'est celui d'Emma Sparry, historienne britannique qui a travaillé sur le jardin d'utopie, l'histoire naturelle en France de l'Ancien Régime à la Révolution, et elle montre très bien que les serres participent de cette politique de la naturalisation et de l'acclimatation où l'on réfléchit aussi de plus en plus au climat, je vais y revenir, parce que la question climatique est essentielle au XVIIIe siècle. Ensuite, un autre ouvrage qui me paraît très important, c'est un historien de l'environnement qui s'appelle Grégory Quenet, qui est professeur d'histoire de l'environnement à Versailles, et il a complètement changé notre perception à la fois des jardins de Versailles et du petit parc et du grand parc. Ce que montre Grégory Quenet, avec la sédentarisation de la cour à Versailles à la fin du XVIIe siècle, c'est que les chasses royales vont être désormais sédentaires et non plus mobiles, ce qui va impliquer une gestion des équilibres cynégétiques, c'est-à-dire de la chasse, complètement différente. Et Quenet montre que pour la première fois, en France métropolitaine, se pose la question de la conservation de la nature, puisque à Versailles, on construit par exemple des remises et des parcs à gibier pour conserver le gibier. Et donc, c'est pour la première fois en ces termes que des questions de gestion des équilibres écologiques et des questions de conservation de la nature sont posées explicitement. Et c'est quelque chose qui me semble très intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire, et je vais y revenir, que les espaces coloniaux, les îles, qui étaient vues comme des paradis, des reproductions du paradis, étaient finalement les espaces où pouvait se dérouler le plus facilement et le plus aisément une politique de conservation de la nature. Mais en métropole aussi, on a été très rapidement préoccupé par ces questions-là. Ce qui me mène donc évidemment aux colonies. C'est un livre de Richard Grove, dont je vais dire quelques mots, Green Imperialism, l'impérialisme vert. On a souvent eu tendance à considérer les colonies comme des espaces où se manifestaient les plus fortes dégradations de l'environnement dès le XVIe siècle, ce qui est en partie vrai d'ailleurs. On peut le voir avec l'île Sainte-Hélène. On peut le voir avec Madère au XVIe siècle, lorsque les Portugais introduisent les lapins, ils dévastent la végétation. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les espaces coloniaux, avec leurs jardins botaniques, ont été aussi des espaces de préservation et de conservation de la nature. Et ça, on le voit de façon très éloquente à Sainte-Hélène, mais on le voit, je vais revenir sur l'espace français, également de façon tout à fait notoire, avec l'île de France qui est l'île Maurice. Donc là, pour la première fois, avec Labourdonnais, qui est gouverneur de l'île Maurice à partir de 1731, Labourdonnais va décider de construire et de réparer les navires en bois de charpente exclusivement sur place. Il va aussi mettre en place une première législation de conservation de la nature, même si il s'agit davantage ensuite de Pierre Poivre, qui est une figure fondamentale de ce qu'on pourrait appeler le proto-environnementalisme, puisque Pierre Poivre, qui est nommé intendant à l'île de France, donc à l'île Maurice, à partir de 1766, va mettre en place une politique très audacieuse, accompagnée de Bernardin de Saint-Pierre, grande figure aussi de la pensée de la nature au XVIIIe siècle. Et donc Pierre Poivre, il prend conscience pour la première fois du lien qui peut exister entre la déforestation, l'envasement des rivières et l'érosion des sols. Et donc va essayer de mettre en place une première politique de conservation des forêts en fondant le jardin botanique de Pamplemousse, que vous avez ici, que vous pouvez encore visiter à l'île Maurice. Et donc, il est entouré de deux grands naturalistes qui l'épaulent, qui ont aussi beaucoup baroudé dans l'espace de l'océan Indien. Pierre Poivre lui-même était un personnage fascinant qui a beaucoup contribué à développer les méthodes d'horticulture chinoises. Il connaissait très bien les techniques d'irrigation qui étaient mises en place en Inde, à Pondichéry et à Chandernagore, par exemple. Et donc, ces individus-là ont une très forte connaissance des milieux tropicaux et des conditions de croissance des végétaux dans ces espaces-là, ce qui est tout à fait précieux. Donc Philibert Commerson et Bernardin de Saint-Pierre qui assistent
Pierre Poivre, qui va naturaliser à l'Île-de-France deux végétaux que l'on va retrouver ensuite à Paris, au Jardin du Roi, c'est le muscadier et le giroflier. Donc des végétaux que l'on retrouve dans les Indes occidentales, qui sont ensuite naturalisés à l'Île-de-France, à l'île Maurice, et qui sont ensuite exportés vers le Jardin du Roi, qui est le centre de l'acclimatation en Europe à ce moment-là. Donc vous voyez, naturaliser les espèces exogènes, les colonies qui sont de véritables laboratoires écologiques parce que l'on va mettre pour la première fois en place une politique de conservation de la nature. Il y a aussi évidemment le Suédois Anders Sparman qui est le premier à faire le tour de l'Afrique du Sud et qui va justement faire un lien aussi très explicite entre le surpâturage et les changements climatiques à l'œuvre. Et donc je vais revenir tout à l'heure sur l'importance du climat pour les naturalistes au XVIIIe siècle. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, la notion de conservation n'a évidemment pas du tout la même signification qu'aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas affaire à un programme d'Europe Écologie des Verts. Ça n'a absolument rien à voir. Le terme de conservation a un sens un peu différent. Au XVIIe siècle, conserver, ça signifie veiller à ce que les choses ne perdent pas de leur propriété ou de leur qualité initiale ou intrinsèque, c'est-à-dire figer les choses telles qu'elles sont. Alors qu'au XVIIIe siècle, quand on prend les définitions de la conservation, du terme de conserver, là j'ai pris par exemple l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, eh bien conserver c'est quelque chose de différent. Conserver c'est protéger des altérations des flux de la matière, protéger des altérations de l'humidité, protéger des altérations du chaud, du froid. Donc en fait cette conservation elle est très dynamique, elle est très mobile. Conserver c'est préserver des choses qui ont déjà changé ou qui sont en train de changer. Donc c'est une conservation qui n'est pas du tout statique. Ce n'est pas du tout une conservation conservatrice, on pourrait dire, assez paradoxalement. Voilà c'est ce qu'écrivent donc Diderot et d'Alembert à l'article « Conserver ». La plupart des matières végétales et animales sèches, comme feuilles, racines, vipères, cloportes séchées, et les poudres, sont surtout exposées à cette altération, par la multiplicité des surfaces qu'elles présentent à l'air. On doit donc tenir toutes ces substances dans des lieux secs et dans des vaisseaux bien bouchés, ou des boîtes exactement fermées. L'importance de cette méthode est très sensible par la comparaison des plantes sèches que les herboristes gardent en plein air dans leurs boutiques et de celles qui ont été soigneusement serrées dans des boîtes. Les premières, quelque exactement qu'elles aient été desséchées, deviennent noires, molles, à demi moisies. Les dernières, au contraire, sont aussi vertes et aussi saines qu'au moment qu'on les a renfermées. On doit aussi principalement tenir dans un lieu sec certaines tablettes sujettes à se ramollir par l'humidité de l'air, comme celles de diacartami de citron et les poudres dans lesquelles il entre du sucre. Les sels déliquescents qu'on veut garder sous la forme sèche, telles que la pierre à cotère, la terre foliée, doivent être surtout scrupuleusement préservés de toute communication avec l'air. Toujours assez humide pour les faire tomber en liqueur. Donc vous voyez, la conservation, c'est vraiment préserver des effets de la décomposition de la matière. C'est quelque chose qui est assez fondamental. Et autre point, et là ça concerne plus directement les jardins, et en particulier les jardins botaniques, c'est que systématiquement la conservation est toujours liée, dans les documents du XVIIIe siècle, à la multiplication et à l'accroissement. En d'autres termes, il ne s'agit pas de conserver pour conserver, il s'agit de conserver pour accroître les espèces, pour multiplier les plantes, pour multiplier les végétaux. Et voici ce qu'écrit, donc là c'est Antoine de Jussieu, qui est démonstrateur de botanique au Jardin du Roi. Vous savez, la fratrie des Jussieu est très connue dans le monde botanique. Et donc, voici dans l'un de ses cours prononcés au Jardin du Roi en 1720, comment Jussieu conçoit la conservation. Combien d'expériences à faire pour trouver des règles certaines sur les différentes manières de multiplier, de rendre précoces ou tardives, et de conserver les espèces de fleurs et des fruits par les tailles, les transplantations, les engrais et les arrosages. Vous voyez les différentes manières de multiplier. Il s'agit de conserver pour multiplier. Alors, conserver pour multiplier, mais conserver aussi pour augmenter les richesses de l'État, pour augmenter les richesses économiques. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, et c'est très intéressant de le constater, que les jardins botaniques vont devenir les instruments d'une politique de multiplication des richesses végétales. On emploie le terme de richesse végétale à ma connaissance déjà à la fin des années 1780. Les végétaux sont de plus en plus sanctuarisés dans des jardins, on va essayer de les isoler, de les préserver, mais en même temps, ils sont considérés comme des richesses économiques. Et voilà donc ce qu'écrit par exemple François Quesnay, qui est un leader de la physiocratie, sur laquelle je vais dire quelques mots dans un instant, mais François Quesnay, à l'article grain de l'encyclopédie, écrit « Car les richesses d'un État ne se soutiennent pas par elles-mêmes. Elles ne se conservent et s'augmentent qu'autant qu'elles se renouvellent par leur emploi dirigé avec intelligence. » Vous voyez, conserver, augmenter, renouveler. C'est le triptyque fondamental pour les physiocrates. Alors, qui sont les physiocrates? Les physiocrates, ce sont des penseurs de l'économie au XVIIIe siècle qui considèrent qu'il y a deux classes sociales. Une classe sociale productive
marchands, les artisans. Et donc la priorité de l'économie doit être à l'agriculture, au jardin botanique, et à l'acclimatation des espèces. Et pour les physiocrates, comme Quesnay, il faut absolument maintenir l'équilibre de l'ordre naturel. Et là aussi, c'est très important pour les premières éthiques environnementales. Les physiocrates considèrent qu'il y a un ordre naturel composé de forces très destructrices et de forces créatrices, et que l'homme doit maintenir en équilibre cet ordre naturel et ne pas le déstabiliser. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les jardins au XVIIIe siècle, et en particulier au jardin du roi, quand on réfléchit par exemple à la circulation de la sève, à la façon de tailler les arbres. Il y a quelque chose de très fascinant, je trouve, c'est que au XVIIe siècle, dans les traités de jardinage, par exemple Boisseau, on considérait que la taille des arbres répondait à une nécessité esthétique, artistique. Il s'agissait de tailler les arbres pour la bienséance, de l'esthétique, pour aménager de beaux jardins à la française. Au XVIIIe siècle, sous la plume des physiocrates, en particulier Quesnay, mais je pense aussi à l'abbé Rosier, qui a écrit une grande encyclopédie d'agriculture, la taille des arbres est profondément contre nature parce qu'elle contrevient à l'ordre naturel, elle perturbe la circulation de la sève. Et donc, il y a un ordre naturel, vous voyez, qui peut être déstabilisé. Et au XVIIIe siècle, on réfléchit beaucoup plus dans les jardins à la façon dont on ne doit pas perturber l'ordre naturel. Donc, on ne doit pas perturber les processus physiologiques des végétaux, des arbres. C'est quelque chose qui est très fondamental parce que c'est la matrice intellectuelle des politiques de conservation qui sont ensuite mises en place par les États au XIXe siècle. Voilà donc pour la physiocratie et pour l'augmentation des richesses végétales. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est fondamental au jardin du roi, c'est que, et les serres vont être un bon laboratoire, je vais revenir tout à l'heure sur la fabrication des serres et sur comment on approvisionne les serres, comment on les fait fonctionner, mais il y a aussi une autre idée qui est sous-jacente à cette idée selon laquelle il convient de naturaliser sans perturber les mécanismes autorégulateurs de la nature, c'est naturaliser par degré. Naturaliser par degré, parce qu'on ne peut pas naturaliser, on ne peut pas transplanter, vous voyez, une plante qui vient d'un espace tropical, qui vient de Chandernagore à Paris, sans transition, sans étape. Et donc, là, c'est un extrait de Jacques Lacombe dans l'encyclopédie méthodique qui considère que l'arbre de Louisiane, l'arbre de cire de la Louisiane et de la Caroline, pourrait peut-être réussir dans nos provinces méridionales, surtout si l'on y amenait par degré, en le laissant passer par d'autres pays d'une température plus analogue à son pays natal, et en cueillant de la graine venue dans ce pays qui donnerait des arbres plus robustes et moins délicats que ceux venus dans leur pays natal. Donc vous voyez, il faut acclimater par degrés. Et par exemple, chez un jardinier comme André Thouin, qui est le jardinier en chef du Jardin du Roi sous le comte de Buffon, Thouin considère qu'il y a trois degrés de naturalisation fondamentalement. Il y a tout d'abord un troisième degré de naturalisation qui correspond aux arbres dont la plantation est suffisamment ancienne pour produire des graines d'elle-même. Donc c'est le cas par exemple du marronnier d'Inde, qui est importé en France, il me semble, en 1648. Il est naturalisé pour la première fois dans les jardins de l'hôtel de Soubise, à Paris. Donc marronnier d'Inde qui fournit de très beaux ombrages appréciés par les promeneurs au XVIIIe siècle. Le marronnier, c'est l'arbre qu'on retrouve très souvent dans les jardins publics, comme les Tuileries par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler lors d'une conférence d'Emmanuel Errant. Et donc ça, ce sont les végétaux, les arbres qui sont déjà naturalisés en France. Il y a un deuxième degré ensuite, ce sont les arbres qui sont en train de grainer en France, qui produisent des graines progressivement, mais qui nécessitent encore une culture soignée pour les acclimater. Je pense notamment aux peupliers du Canada ou encore aux zones de Floride. Et il y a un premier degré d'acclimatation, ce sont les végétaux qui n'ont pas encore grainé, qui n'ont pas fourni de spécimens, mais qui n'attendent que leur naturalisation, leur multiplication. Je pense au cyprès de Louisiane ou à Lieuse à Glandoux. Vous voyez qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il est absolument inconcevable d'acclimater, de naturaliser sans transition géographique. Alors, que va-t-on faire pour naturaliser les plantes? Eh bien, on va développer des serres. C'est l'apparition des serres au XVIIIe siècle. Alors, contre une vision tout à fait idéalisée des serres, je préfère vous dire d'emblée que les serres sont un échec relatif. À la fin du XVIIIe siècle, au Jardin du Roi, vous avez beaucoup de spécimens qui meurent, beaucoup de spécimens qui sont très mal conservés parce que l'on a encore du mal à jauger et à déterminer les bonnes températures. Et d'ailleurs, il y a un botaniste britannique du nom de Richard Bradley, qui publie un livre qui est un best-seller pour les jardiniers, qui est beaucoup lu dans l'Europe du XVIIIe siècle, c'est le calendrier des jardiniers. Et Richard Bradley montre très bien que les serres, encore au mi-temps du XVIIIe siècle, sont très imparfaites. Elle fonctionne très moyennement. Voilà ce qu'il écrit.
Ce qui empêche les curieux de cultiver les plantes étrangères, c'est la difficulté de les conserver. Soit qu'on ait des serres ou qu'on n'en ait point. Quand on apprend la commodité d'en avoir, les plantes les moins délicates périssent par les froids et les mauvais temps de l'hiver. Et quand on en a, elles sont pour l'ordinaire si mal construites que les plantes sont étouffées, empoisonnées par la vapeur du charbon de terre. Alors là aussi, c'est fascinant parce qu'il va falloir à tout prix limiter les interactions avec les combustibles. Et en l'occurrence, le charbon de terre et le bois, qui est massivement utilisé pour chauffer les serres avec des poêles. Donc il faut veiller à maintenir des températures équilibrées. Ça, comment le sait-on? Eh bien, au XVIIIe siècle, c'est avec l'apparition des premiers thermomètres. C'est l'apparition de la météorologie métrique. On va commencer à mettre des thermomètres dans les serres. Et y compris dans les serres portatives, quand on fait des voyages jusqu'à l'Île-de-France, quand les bateaux partent du port de Lorient ou de Brest, eh bien, les caisses de plantes sont toutes munies, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas le cas dans les années 1720 ou 1730, mais à la fin du XVIIIe, les caisses de plantes sont systématiquement munies de thermomètres pour pouvoir jauger la température et éviter soit des températures beaucoup trop fraîches qui risqueraient de faire péricliter les plantes, soit des températures beaucoup trop élevées. Donc, je reviendrai aussi dans un instant sur les questions climatiques. Donc ces serres sont imparfaites, je vous en ai mis ici une belle représentation. C'est une estampe, une aquarelle pardon, de Jean-Baptiste Hilaire de 1794 qui représente les serres du Jardin du Roi. Donc vous avez dit que les serres étaient au nombre de 4. Au Jardin du Roi, il y en a une cinquième qui est construite à partir de 1788 parce que l'espace des serres est désormais insuffisant pour pouvoir acclimater tous les végétaux. Donc là, on en voit une représentation relativement champêtre. Et là, vous les voyez encore mieux sur cette aquarelle de Jean-Baptiste Hilaire, toujours. Vous voyez que la construction des serres nécessite des savoir-faire en termes de maçonnerie, puisqu'il y a des briques qui constituent les murs, des savoir-faire en termes aussi de verrerie, et des savoir-faire en termes de chauffage des serres, puisqu'il va falloir les approvisionner très fréquemment à partir du charbon de terre et à partir du bois. Ce qui pose de grands problèmes parce que le bois, comme je vous le disais tout à l'heure, subit une très forte pénurie au XVIIIe siècle. Et donc, il va falloir trouver des moyens parfois absolument extraordinairement ingénieux pour pouvoir approvisionner ces serres. Et par exemple, j'ai retrouvé donc les chiffres de l'approvisionnement en bois des serres entre 1776 et 1787. On a des chiffres très précis et on sait que sur cette période-là de 10 ans, il a fallu pas moins de 715 bois de bois, donc je vais vous faire une moyenne par an de 30 cordes de bois, ce qui représente 154 stères de bois pour chauffer les serres. Donc vous voyez, c'est quand même assez considérable. Mais se pose la question de, étant donné qu'il est de plus en plus difficile d'acheminer le bois dans la capitale parce qu'il y a une pénurie pour le bois de chauffage, eh bien, les naturalistes du Jardin du Roi, les jardiniers, vont devoir redoubler d'ingéniosité pour pouvoir chauffer les serres convenablement. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va, par exemple, utiliser le bois d'arbres morts dans le jardin. On va même utiliser, vous savez qu'on est en pleine période des travaux, hein, je vous l'avais dit, on a agrandi le jardin en 1777 jusqu'à la veille de la Révolution, eh bien, on va utiliser le bois qui est détruit quand on détruit les cabanes ou les maisons en bois autour du Jardin du Roi. On va réutiliser le bois pour chauffer les serres. C'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment. Donc vous voyez, on est très loin d'une maîtrise absolutiste de la nature. On est dans le bricolage éternel. Et on le voit dans le registre de la comptabilité d'André Toin. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais les serres sont considérablement humides. On a aussi de l'air qui pénètre dans les serres parce que les fissures sont mal colmatées dans les murs de briques. Et donc on voit parfois les jardiniers obligés de combler les lacunes, de combler les trous entre les briques avec de la mousse végétale. J'ai retrouvé ça dans les archives, c'est absolument fascinant. Ça montre bien que ce sont des dispositifs qui sont très fragiles, très précaires. Et là, on voit aussi que l'humidité des serres est un vrai problème parce que, donc là, c'est un mémoire de comptabilité en 1777 qui montre qu'il a été employé 18 journées à enlever et transporter dans les massifs des nouvelles rampes de la glacière 15 pouces de terre prise derrière la serre des ananas pour éloigner l'humidité de ce lieu qui la communiquait à la serre voisine. Vous voyez, la serre des ananas, l'ananas, c'est le fruit à la mode. Au XVIIIe siècle, tout le monde consomme de l'ananas à la cour. Louis XV est passionné par les ananas, et d'ailleurs, il les acclimate à Choisy. Choisy le roi, qui est donc un jardin qui a aujourd'hui disparu quasiment intégralement, mais au XVIIIe siècle, le château de Choisy, et donc ses jardins, sont un lieu emblématique de la conservation des ananas. Alors, on va aussi réfléchir par contre-coup, et par conséquent, après cette relative maîtrise des serres difficiles, précaires, on va chercher à mettre en place des serres alternatives.
des serres alternatives qui font davantage circuler l'air pour assurer le renouvellement aussi de l'air dans les serres. Et donc là, on a un exemple très, très frappant, c'est dans le Journal de Paris. En 1779, vous avez des amateurs qui sont passionnés de botanique et qui construisent dans leur jardin à Paris des serres. On retrouve beaucoup de serres dans les jardins privés. Et donc, on a un certain Mallet qui vient d'inventer un dispositif qui permet de soutenir la végétation des plantes les plus susceptibles du froid. Et il dit que les ananas sont de la plus grande beauté à divers points de maturité qui prolongent la jouissance de ce fruit. Les figuiers sont déjà garnis d'une quantité de petites figues. On y voit des petits pois, des haricots, des plants de melon ayant la verdure printanière et couvert dans certains instants d'une rosée qui, dans cette saison-ci, a le droit d'étonner. Donc il met en place des châssis, vous voyez, qui permet de suppléer aux serres chaudes et de conserver un degré de chaleur suffisant. Donc on expérimente, on innove, on essaye de mettre au point des dispositifs alternatifs, comme par exemple ce projet qui est envoyé à l'administration du roi. À la fin du XVIIIe siècle, c'est un certain parent de Martigné qui donne à monsieur le marquis de Marigny. Alors le marquis de Marigny, c'est le directeur des bâtiments du roi. Donc un ouvrage de sa composition qu'il appelle Un petit monde, qui fait circuler l'air dans une chambre, comme le soleil fait circuler l'air dans le monde, ou comme le cœur fait circuler le sang dans les veines. La comparaison, vous voyez, avec le cœur, avec la physiologie humaine, elle est très très frappante. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment aussi au XVIIIe siècle, hein, des analogies, des comparaisons avec le fonctionnement de l'organisme. Et donc il faut faire circuler l'air dans les serres, comme le sang circule dans les veines. Hein, on pense toujours, vous voyez, les serres sont pensées comme un organisme qui fonctionne en évacuant, voilà, vous voyez, en évacuant et en ingérant et en évacuant, en permanence. Alors, ce qui nous mène à voir que les naturalistes et les botanistes sont très préoccupés par les questions climatiques. Je vous disais à l'instant que le XVIIIe siècle est celui de la météorologie métrique, l'apparition des thermomètres. Mais ce qui n'empêche pas, cependant, le développement et la continuité des observations botanico-météorologiques qui permettent de jauger le développement des plantes et les modifications du climat à partir des plantes. Donc on observe beaucoup le développement des plantes. On note sur un calendrier quand les plantes éclosent, etc. Et donc, on a en 1740 un personnage qui s'appelle Louis Duhamel du Monceau, qui est un grand physiologiste végétal. Il a beaucoup travaillé sur les pathologies végétales, sur la physique des arbres. Et Duhamel du Monceau fait des observations. Il se rend à Paris et puis il compare les conséquences de l'hiver, un hiver qui est extraordinairement rigoureux en 1740. Beaucoup de végétaux périssent sous le coup du froid. Et donc, il va comparer la survie des végétaux entre le jardin du roi et d'autres jardins, celui des chartreux. Alors les chartreux, ce sont des, là aussi des ecclésiastiques qui ont un jardin à proximité du jardin du Luxembourg à Paris. Et donc ils comparent les effets, vous voyez, à 1,5 km d'intervalle pour voir quelles sont les conséquences. Et voilà ce qu'il écrit. Les gros tulipiers du jardin du roi n'ont pas souffert, mais les jeunes sont morts aux chartreux. Il en a été de même des lauriers tulipiers. Je n'ai perdu aucun arbre de Judée, quoique j'en eusse de fort petit. Il en a été de même au jardin du roi. Cependant, il en est mort plusieurs jeunes au chartreux. Les gros pins n'ont pas souffert, mais les petits sont presque tous morts. J'en ai seulement réchappé quelques-uns de ceux qu'on appelle le pin maritime. L'arbousier, moyennant une légère couverture, a résisté dans le jardin des chartreux, mais il est mort dans celui du roi, jusqu'aux racines qui ont repoussé au printemps. Les gros barbajovis, alors ça j'ai pas trouvé ce que c'était comme arbre, ont résisté au jardin du roi, mais les petits ont péri et au jardin du roi et au chartreux. Tous les chèvrefeuilles, même celui qui est toujours vert, ont résisté. Ils ont seulement perdu beaucoup de menues branches. Donc vous voyez que d'un jardin à l'autre, à 1,5 km d'intervalle, vous avez des phénomènes tout à fait différents. Donc, je vous mettais cet extrait parce que les naturalistes des Lumières, au XVIIIe siècle, cherchent à réfléchir au climat et aux conséquences du climat sur la naturalisation des végétaux. C'est la raison pour laquelle certains se montrent même parfois particulièrement sceptiques à l'égard des serres, parce que les serres, après tout, vous avez une même température identique dans la serre, alors vous avez des plantes qui proviennent des espaces tropicaux, des espaces équatoriaux, ce qui n'est pas la même chose. Vous avez des plantes avec des propriétés physiologiques, physiques, différentes. Et donc, on va avoir des voix qui vont s'élever contre les serres et leur pertinence, parce que les serres ne permettent pas de répondre justement aux défis de la conservation et de la diversité de ces plantes. C'est ce qu'écrit par exemple le fondateur de l'étagement montagnard, c'est le premier qui étudie la géographie par l'étagement des plantes au niveau des montagnes, c'est Jean-Louis Giraud sous la vie. Et pour lui, à ses yeux, l'acclimatation des plantes dans des serres est un non-sens absolu. Voilà ce qu'il écrit. Cette manière de considérer les plantes montre même quelle quantité de feu on doit accorder ou refuser à toutes les herbes méridionales
qu'on veut conserver dans les régions du Nord pendant les froids de l'hiver. Elle nous montre aussi l'inconséquence de loger dans une même serre une variété étonnante de plantes de différents climats qui demandent à Paris, par exemple, divers degrés de feu conservateurs, en sorte que leur limite assignée sur les thermomètres est une borne factice qu'on doit varier selon les différents climats des plantes qu'on veut conserver. Vous voyez, il faut prendre en compte la diversité des végétaux et des plantes si l'on veut parvenir à les conserver unilatéralement et de façon très efficace, ce qui n'est manifestement pas le cas. Et on a des témoignages au 18e siècle de plantes qui périssent dans les serres parce que les serres ne sont pas adaptées justement à cette prise en compte de la diversité végétale. Alors le climat est d'autant plus important que le 18e siècle, je fais une petite parenthèse, mais c'est très important aussi pour les jardins botaniques, c'est qu'on réfléchit de plus en plus aux conséquences de l'action humaine, des actions anthropiques sur la modification du climat. Il ne faut pas croire que c'est le 20e siècle, avec la prise de conscience environnementale des dégradations, surtout à partir des années 1950, qu'une conscience environnementale est née. D'ailleurs, il y a un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos qui a très bien montré dans un article que vous pouvez trouver sur Internet, qui est très très bien et très pédagogique, où il montre qu'au 18e siècle, déjà, dans un contexte de médecine néo-hippocratique, où on considère d'ailleurs que l'air a une incidence sur la santé humaine, les naturalistes réfléchissent beaucoup aux modifications du climat et surtout aux modifications humaines sur le climat. Et on le voit par exemple sous la plume du jardinier du Jardin du Roi, c'est André Toin. André Toin écrit dans un mémoire sur les avantages de la culture des arbres étrangers pour l'emploi de plusieurs terrains de différentes natures abandonnées comme stériles. Voilà ce qu'il écrit. Dans ce nouvel hémisphère, l'Amérique septentrionale, donc là il parle de l'Amérique du Nord, en particulier du Canada, l'intensité du froid occasionné par la grande quantité d'eau et par les forêts dont il était couvert surpassait de plusieurs degrés celui qu'on éprouvait dans l'Ancien Monde, à la même latitude. Mais les Européens changèrent cette température. L'écoulement procuré aux eaux stagnantes et plus encore les grands abattis de bois qu'ils firent près de leurs habitations ne tardèrent pas à diminuer l'abondance des pluies et par conséquent à dessécher le sol et à le rendre moins froid. Donc j'ai trouvé ce passage assez merveilleux parce qu'il témoigne déjà d'une conscience des mécanismes climatologiques et météorologiques et montre aussi une inquiétude vis-à-vis de la modification du climat que l'on retrouve encore plus vigoureusement dans les espaces coloniaux insulaires. Je pense à l'île de France, je pense à l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, où ces réflexions animent tous les botanistes et les jardiniers qui, à travers les jardins botaniques, vont chercher justement à pallier ces différents désagréments, à reforester aussi massivement grâce aux jardins. Autre problème qui se pose aussi et qu'on peut identifier avec les serres qui ne fonctionnent pas toujours comme on le voudrait, c'est qu'au XVIIIe siècle, on est dans un siècle de passion pour la botanique. Tous les quidam, tous les individus, quel que soit leur statut, se passionnent pour la botanique. Il y a un engouement pour les sciences, d'ailleurs en général, qui excède très largement celui d'aujourd'hui. On expérimente des serres dans ces jardins, on assiste à des démonstrations publiques sur l'aérostation. Le public urbain se fascine pour les sciences, il y a un engouement public pour les sciences. Et les aristocrates qui ont des jardins entrent parfois en conflit avec les jardiniers et les naturalistes parce qu'ils veulent faire valoir leur voix au chapitre et avoir une influence, une incidence sur l'aménagement des jardins et des serres. Et ça donne des situations très cocasses. Par exemple, ici, il me semble que c'est à Choisy. Cela me rappelle que monsieur le duc d'Ayen, étant à Choisy le mois dernier et voyant que presque toutes les plantes d'ananas annonçaient du fruit pour cette année, en fit des reproches devant moi au sieur Gondouin, qui est donc le jardinier, fils, qui lui répondit que contre son avis, on avait trop échauffé celles d'entre ces plantes qui n'étaient destinées à porter du fruit que l'année prochaine et qu'elles auraient dû être mises à part dans une serre moins chaude, mais qu'il n'en avait pas aidé le maître. L'avis de son père ayant été qu'on ne pouvait les tenir trop chaudement afin, disait-il, d'imiter autant que possible le climat de l'Amérique dont ces plantes sont originaires. Vous voyez, le duc d'Ayen qui n'est pas content de la naturalisation des ananas à Choisy. Et donc, on voit aussi, vous voyez, qu'on cherche toujours, autant que possible, le climat de l'Amérique dont ces plantes sont originaires, on cherche à imiter. Le terme revient à toutes les sauces. Dans les archives, il s'agit toujours d'imiter le plus possible le climat. Il s'agit, à chaque fois quand on met des plantes dans les serres, de limiter les distorsions entre le milieu naturel, le milieu de provenance et le milieu d'acclimatation. On cherche à reconstituer des conditions, vous voyez, climatiques appropriées. Alors, ce qui pourrait nous conduire à nous demander si les serres témoignent d'un échec. Les serres sont-elles un échec? Alors, oui et non. Oui, elles sont un échec parce qu'encore sous la Révolution française, vous avez même des étrangers, des Anglais, des Allemands qui se promènent au Jardin du Roi et qui constatent que pour un jardin de cette envergure européenne, les serres sont insuffisantes. Il n'y en a pas suffisamment. Elles ne répondent pas aux logiques de la naturalisation. Elles ne sont pas assez pertinentes.
On se plaint encore sous la Révolution française de l'insuffisance des serres au jardin du roi. Donc échec, oui, dans le sens où les serres sont imparfaitement maîtrisées, contrairement à ce qui a souvent été avancé. Cette naturalisation est imparfaite parce qu'il y a des rapports sociaux contradictoires, parce que l'on a encore du mal à jauger les températures nécessaires à la conservation des plantes, parce que les finances du jardin du roi sont aussi tendues avec l'agrandissement du jardin qui coûte extrêmement cher. On reproche d'ailleurs souvent au comte de Buffon de vouloir à tout prix bâtir une nouvelle serre alors qu'on a du mal à entretenir les serres existantes. Et donc c'est une critique d'ailleurs qui apparaît très fréquemment à la fin du XVIIIe siècle. Là, je vous mets donc le plan que j'ai retrouvé dans les archives aussi de la construction de la serre en 1789-90. Donc c'est le plan de la nouvelle serre qui est érigé, c'est un très beau plan. Et des voix discordantes commencent à poindre progressivement, et là, en l'occurrence, c'est un document d'Antoine de Jussieu. Donc, Antoine de Jussieu est déjà décédé, donc je n'ai pas réussi à dater précisément ce document. Il est antérieur à la construction de la cinquième serre. En revanche, il montre que, plutôt que de bâtir frénétiquement, peut-être vaudrait-il mieux, finalement, entretenir davantage les serres existantes au Jardin du Roi. Voilà ce qu'écrit Antoine de Jussieu. Les applaudissements qu'il, donc Buffon, a reçus d'avoir fait une collection si immense, lui ont fait naître des projets pour rendre les autres parties du jardin aussi somptueuses. Et dans cette idée, nos serres étant condamnées à être détruites, les réparations n'y sont presque plus, on les laisse tomber en ruine. La moitié du jardin reste inculte, et il se fait une sorte de désertion dans nos plantes à cause du défaut d'entretien, dont les fonds passent à celui du cabinet. Donc Jussieu reproche à Buffon que les subsides passent davantage dans l'entretien du cabinet d'histoire naturelle ou dans des projets faramineux d'extension du jardin, mais que l'entretien quotidien des serres n'est pas assuré. Et d'ailleurs, cette idée qu'il y a une dégénérescence de la nature, vous voyez, ce champ lexical de la désertion du désert, cette crainte que les richesses végétales ne fleurissent pas, que le jardin subsiste dans une léthargie, dans un état d'apathie, c'est une préoccupation constante. Et à la fin de l'Ancien Régime, avant la Révolution française, dans des notes pour servir à l'histoire du jardin du roi sous l'administration de Buffon, on voit bien à quel point l'inquiétude pour la dégénérescence de la nature est omniprésente. Voici ce qui est écrit aussi. Effectivement, toutes nos terres chaudes ne doivent être considérées que comme des lieux destinés à reculer, plutôt qu'à conserver quelques individus plus ou moins languissants, plus ou moins dégradés, parce qu'on est forcé de les tenir dans des petits vases et de les tailler souvent pour les empêcher d'occuper une trop grande étendue. De là, il arrive qu'une partie de ces végétaux, et surtout parmi les arbres, ne fleurissent jamais, et que s'ils peuvent suffire pour l'étendue de la botanique, ils sont cultivés en pure perte pour les progrès de la naturalisation. Donc vous voyez cette obsession de la régression de la nature, alors que le leitmotiv qui s'impose à partir de 1788, et alors encore plus sous la Révolution française, c'est la question de la régénération. Le terme apparaît à toutes les sauces sous la Révolution. Régénération du corps social, régénération de la société, régénération politique, régénération de la nature. Et tout cela va ensemble. Il ne peut y avoir de régénération de la société que s'il y a une régénération de la nature. Et je finirai là-dessus, échec oui et non, parce que le Jardin du Roi s'est agrandi considérablement. Le Jardin du Roi va devenir le Muséum National d'Histoire Naturelle, le centre du Paris républicain, le centre des savoirs révolutionnaires. Et en devenant le Muséum National d'Histoire Naturelle, le Jardin des Plantes, ne s'appelle donc plus le Jardin du Roi à partir de 1792-93, eh bien on va décider au Jardin du Roi d'acclimater, de planter des turnips, des navets, des topinambours et des pommes de terre. Parce qu'il faut fournir de l'alimentation utile à la nation. C'en est fini des plantes ostentatoires de la monarchie, des plantes qui ne servent qu'à décorer les jardins. Il faut cultiver des pommes de terre. Et on va d'ailleurs défoncer les terrains des Tuileries et du Luxembourg pour planter des patates en plein milieu des jardins des Tuileries. C'est passionnant. On a tous les documents qui sont conservés où vous avez des travaux qui sont mis en place. On va cultiver de la pomme de terre parce qu'il faut répondre aux nécessités vitales de l'alimentation de la nation et à son autosuffisance. Et donc tous les discours sur l'autosuffisance alimentaire qu'on retrouve chez les physiocrates, ces discours connaissent leur apogée sous la Révolution française, puisque au-delà du fait qu'il s'agit d'acclimater les végétaux étrangers et qu'il convient de cultiver ces végétaux utiles que sont les pommes de terre, les turnips, les navets, il faut surtout se passer des importations. Il faut en finir avec le commerce avec les Hollandais, avec les Anglais. Il faut que la nation soit autosuffisante et indépendante. Alors, ce projet ne fonctionne pas entièrement, mais c'est l'idéal qui est visé à travers cette politique qui est mise en place sous la Révolution française. Alors, cette dégénérescence de la nature, elle est aussi liée
au nouveau tournant que prend véritablement la question environnementale et environnementaliste sous la Révolution française, avec des plumes, comme je pense à l'ingénieur civil Roche, qui est méconnu, ça s'écrit R-A-U-C-H, Roche, qui est l'un des premiers aussi, après Bernardin de Saint-Pierre, à suggérer les liens très forts entre cette harmonie naturelle du monde perdu liée à la dégénérescence de la nature, au climat, aux modifications du climat, à la façon dont on peut lutter contre certaines formes de pollution industrielle qui apparaissent à la fin des années 1780. Et donc, vous voyez, ce questionnement sur la régénération de la nature, il est indissociable de l'histoire du Jardin du Roi, et le XVIIIe siècle en constitue, je crois, peut-être l'un des terreaux les plus fertiles. Je vous remercie de votre attention.